Bienvenue dans notre nouvelle étude, La marque de la bête 3. Il est écrit: N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Parfois, certains aspects de l'étude semblent compliqués d'entendement, car nous parlons de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Chers abonnés et internautes, je reviens par cette étude sur la marque de la bête 3 sur plusieurs parties de l'étude qui méritent un approfondissement. Nos études, Dieu Père et Fils unique, sont liées les unes aux autres. Et je ne prends pas toujours le temps de revenir sur des points ou symboles déjà expliqués dans des études précédentes. Cela peut parfois rendre certains aspects de l'étude compliqués d'entendement, car nous parlons de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. 2 Pierre 3, verset 16. Théophila, ami de Dieu, est convaincu des révélations des deux études précédentes sur la marque de la bête et affirme qu'elles peuvent être prouvées bibliquement. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Ici, il sera présenté, premièrement, certains textes bibliques qui n'ont pas forcément été mentionnés dans les études, leurs symboles et faits répercutants pour nous aujourd'hui. Deuxièmement, pour nos abonnés et auditeurs sensibles aux écrits de ministres de Dieu qui ont jusqu'à ce jour beaucoup de poids dans la balance de leur foi personnelle, nous n'hésiterons pas à comparer et mentionner ces écrits. Troisièmement, les faits d'actualité dans le panorama médiatique actuel qui peuvent démontrer la réalité des faits que nous avançons. Seront donc mentionnés la Bible, l'auteur Ellen G. White et diverses parutions et publications de sources médiatiques si nécessaire. Apocalypse 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Pourquoi disons-nous que les cornes symbolisent les nations et que les têtes symbolisent les institutions religieuses, donc l'Église? Petit rappel, si l'histoire de notre monde est révélée au roi Nebuchadnezzar par la statue de Daniel au chapitre 2, dans les autres visions de Daniel, les gouvernements, puissances dominantes de la période du temps de leur règne, sont représentés par des bêtes qui se succèdent dans Daniel 7, puis au verset 7, 10 cornes sont décrites sur la 4e bête épouvantable. Mais lorsque cette vision est répétée au chapitre 8, les bêtes à cornes font leur entrée. Et c'est d'après l'explication de Gabriel qu'on comprend que les cornes symbolisent les chefs ou les rois de nations à la tête de ces gouvernements ou royaumes. Les cornes, Daniel chapitre 7, à partir du verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents et il y avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel chapitre 8, verset 3. Je levais les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva, la dernière. Il s'agit des Mèdes et Perses, deux nations pour un gouvernement. Verset 5. Comme je regardais attentivement, et voici un bouc venait de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il s'agit du royaume de Javan, le règne d'Alexandre le Grand, qui renversa les Mèdes et les Perses. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux 4 vents des cieux. Toujours le royaume de Javan, les 4 successeurs d'Alexandre. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup, vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. La corne jeta la vérité à terre
et réussi dans ses entreprises. Il s'agit de la Rome antique et papale, mais les détails sont tournés vers le règne de la petite corde qui fait la guerre à la vérité de 538 à 798. Explication de l'ange Gabriel. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'éleveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élevera un roi impudent et artificieux. Daniel chapitre 8, versets 20 à 23. Donc, les cornes symbolisent bien les nations via leur chef. Les têtes. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ésaïe 9, versets 15 à 16. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, verset 18. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Colossiens 2, verset 19. Les têtes dans l'Ancien Testament, je dis que celui qui dirige son peuple est la tête. L'apôtre Paul nous dit que Christ est la tête et le chef de l'Église. Donc nous comprenons que dans la prophétie, les têtes symbolisent les dirigeants de l'Église de Dieu. Et dans Apocalypse 13, l'ancien comme le pasteur, censé de diriger le peuple du Seigneur selon les principes du Christ, n'agissent pas en harmonie selon la volonté de Dieu. Car la prophétie dit que ces têtes portent des noms de blasphème. Donc, les têtes représentent bien les institutions chrétiennes apostates, chrétiennes normalement. Mais comme les dirigeants de ces églises blasphèment, c'est-à-dire mentent sur Jésus, je comprends que toute institution qui rejette le Fils de Dieu comme Christ, donc l'agneau immolé, est incluse dans la description des têtes, soit la totalité des institutions religieuses qui parlent de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de cette bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. Cette bête est bien un gouvernement humain et sa description nous montre quelle est la continuité et porte en elle les fruits des puissances qui l'ont précédée, décrites dans Daniel chapitre 7. Les cornes du quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement forte, d'où est sortie la petite corne arrogante, l'apparence du léopard, la Grèce, ses pieds d'ours, les Mèdes et les Perses, une gueule de lion, Babylone. Daniel 7. Et quatre grands animaux sortaient de la mer, différents l'une de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Et voici un second animal semblable à un ours, se tenait sur un côté. Après cela, je regardais. Et voici un autre animal était semblable à un léopard. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il était différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête dans sa description est à l'image même du dragon. Le dragon est donc cette image de la bête que les habitants de la terre font. Apocalypse 13, verset 14. Et cette image qui sera adorée est la réplique parfaite des caractéristiques du dragon lui-même. Apocalypse 13, verset 15. Un autre signe parut entre le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3. Notons qu'ici, ce sont les têtes qui portent des diadèmes, donc ce sont les têtes qui certainement
tirerons les dernières cartes du jeu du dragon. Le temps où ce gouvernement se met en place est un temps où tous les dirigeants de notre monde s'appliquent à dire qu'il faut un seul ordre mondial. La Bible nous révèle que cet ordre se réalise à la fin des temps où tous les dirigeants de ce monde, politiques et religieux, se réunissent sous un seul gouvernement, car une seule bête. Ce temps est celui d'une nouvelle ordre mondiale voulue depuis des décennies par nos chefs de gouvernement. Cette idéologie, enfin, se met en place pour former un seul ordre mondial. Nous sommes dans ce temps. Le pape veut un nouvel ordre économique mondial. Dans un discours devant des chefs d'entreprise, le président Biden a exhorté les États-Unis à dominer le New World Order dans le texte. Unité des chrétiens, réunion du Conseil pontifical et du Conseil œcuménique des Églises. Les choses se mettent en place et se révèlent à nos yeux ouvertement. De tous bords, les décideurs de ce monde interviennent dans les médias et dévoilent au grand jour ce qui est déjà prêt dans l'ombre depuis un certain temps. Le monde entier doit y adhérer. Donc aucune étape n'est négligée. On en parle ouvertement comme un souhait à venir. Alors que leurs unions et rencontres répétées nous montrent que nous sommes bien rentrés dans ce nouvel ordre mondial. Au cours d'un sommet à Bangkok, le 18 novembre 2022, le président Macron s'est exprimé en parabole pour démontrer la légitimité d'un seul ordre mondial. Très intéressant de voir qu'il image notre monde comme une jungle et nos gouvernements comme des animaux ou des bêtes qui y règnent. Il a dit « Nous sommes dans la jungle et nous avons deux gros éléphants, de plus en plus nerveux. S'ils deviennent très énervés et commencent la guerre, ce sera un gros problème pour le reste de la jungle. Ces deux gros éléphants ont visiblement le pouvoir de provoquer un conflit planétaire. Nous aurons besoin de la coopération de beaucoup d'autres animaux, les tigres, les singes, etc. Donc, il en appelle à tous les autres gouvernements de la Terre. Êtes-vous du côté des États-Unis ou de la Chine ? La parabole prend fin. Il nomme maintenant les deux gros éléphants par leur nom. Progressivement, de nombreuses personnes semblent vouloir considérer qu'il y a deux ordres dans ce monde. Ces deux puissances politiques et économiques semblent être, aux yeux des citoyens de ce monde, ceux qui ordonnent notre monde. C'est une énorme erreur, même pour les États-Unis et la Chine. Deux ordres mondiaux est une erreur. Nous avons besoin d'un seul ordre mondial. Et il fut applaudi. Et si vous prenez un peu de temps pour voir par vous-même ce qui se passe dans notre actualité mondiale, vous verrez que le pape, le président américain et le président français ne sont pas les seuls à parler d'un seul ordre mondial pour convaincre le peuple. La marque de la bête sur la main droite symbolise une action mauvaise. La main droite détermine une action radicale et décisive. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5, verset 30. Ici, le Seigneur Jésus dit que les mauvaises actions de la main droite peuvent conduire au feu de la géhenne. Israël étendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Genèse 48, versets 14, 17 et 18. Le droit d'aînesse était acquis par une bénédiction
prononcée par le patriarche qui posait sa main droite sur la tête de l'élu, normalement l'aîné des fils. Mais ici, Israël en décida autrement, personne ne pouvait révoquer cette bénédiction, la main droite du patriarche avait tranché. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Cantique des Cantiques, chapitre 2 et 8. Est-ce avec la main droite qu'on embrasse? Non. Ici, la main droite indique l'action souhaitée par l'auteur de Cantique des Cantiques, un baiser. Il vient et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 7. Le livre récupéré de la main droite de celui qui était assis sur le trône indique que cette action est décisive pour la suite. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, verset 5. Cette main droite élevée vers le ciel indique que la prophétie s'accomplira. Maintenant, voyons pourquoi je pense que la marque sur la main droite indique comme mauvaise action tuer. La prophétie de Genèse 3, 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », nous indique qu'il y a une opposition dense entre les œuvres du Fils de Dieu et celles du serpent ancien, entre l'agneau immolé et le dragon. Donc la marque posée sur la main est identique à celle posée sur le front. Et cette marque est l'opposé du sceau posé sur le front des 144 000. Le nom de celui que la Bible nomme l'Éternel signifie vie éternelle. Celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, celui qui vit éternellement. Dieu est esprit, ce qui signifie Dieu est souffle, du grec pneuma qui indique la vie, et qui est le mot employé pour dire que Dieu souffle dans les narines d'Adam et il devint une âme vivante. Souffle, pneuma, vie. Quant au nom de l'agneau, souvenons-nous que l'agneau immolé est l'animal sans tache et sans défaut qui est sacrifié pour le péché de celui qui pose sa main droite sur sa tête et confesse ses propres péchés. C'est le sang d'un innocent qui servait d'expiation à ce pécheur. Le nom de l'agneau posé sur le front des 144 000 est celui du sauveur sans tache et sans défaut, un sauveur irréprochable. Restons dans le contexte du récit confirmé par les versets suivants, car celui qui reçoit un sceau sur le front témoigne ouvertement du caractère de celui à qui appartient le sceau. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, versets 4 à 5. La marque sur le front des habitants de la terre qui n'ont pas été scellés par Dieu est l'opposé du sceau des 144 000. Que nous révèle la Bible du caractère du diable? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Il leur dit, « Quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre.
Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alors Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Exode 1, versets 15 à 17 et verset 22. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Matthieu 2, verset 16. Si quelqu'un mène à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, versets 10 à 15. Tous ces textes nous démontrent que le diable est celui qui sème par ses fils la mort dans le monde. Le Seigneur l'a dit, il est meurtrier dès le commencement. Il est le père du mensonge, il est menteur. La marque opposée au sceau divin est le caractère du diable qui a introduit par le péché la mort. Le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable a dit, vous ne mourrez point. Il a menti et la mort est entrée dans le monde. Il est le père du mensonge qui a introduit la mort. Son nom est mort, car il divise et sépare du Dieu de la vie. Le nom opposé à celui de l'agneau est celui du dragon. Il est meurtrier et profère des mensonges. Le nom du dragon face à l'agneau est meurtrier et menteur. Donc ceux qui suivent le dragon seront souillés et enivrés par le vin de l'impudicité de Babylone la Grande. Ils seront meurtriers et menteurs. Et tout cela par choix personnel. Le diable est comme nous une créature, il séduit, il est un séducteur. C'est nous qui choisissons de succomber. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 38. Nous avons parfois l'impression qu'il s'agit juste de festivités et de cérémonies de mariage. Mais la réalité est que ces gens sombraient à cause des plaisirs égoïstes et meurtriers. Ils ont perdu de vue Dieu et ils ont ainsi perdu leur âme. Voici un aperçu de la vie des antédiluviens rapporté dans les écrits de l'esprit de la prophétie, des écrits d'Ellen White. Patriarche et prophète, chapitre 7, le déluge. L'homme ne visait qu'à satisfaire son orgueil. La vie s'écoulait dans le diversement et le crime. De l'indifférence envers Dieu, on était bien vite venu à nier son existence. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. La terre s'était corrompue devant Dieu et elle était remplie de crimes. Genèse 6, verset 5 et verset 11. La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite était violée. Et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. L'iniquité abondait, la justice était foulée aux pieds et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel. Au sein de la dépravation générale, Methuselah, Noé et d'autres s'efforçaient en vain de conserver la connaissance du vrai Dieu et d'endiguer la marée du mal. Ni le mariage, ni la propriété n'étaient respectés. Celui qui convoitait les femmes et les biens de son prochain les lui prenait de force et se glorifiait de ses prouesses. On se faisait une joie d'abattre des animaux et de se repaître de leur chair. L'homme devenait ainsi de plus en plus cruel et sanguinaire. La vie humaine était sacrifiée avec une incroyable indifférence. Absorbé par les affaires et les plaisirs, les antédiluviens ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
Matthieu 24, verset 39. Des avertissements leur avaient été adressés du ciel, mais ils refusèrent de les écouter. De même, aujourd'hui, le monde ne prête aucune attention aux avertissements divins et se précipite vers la ruine éternelle. Donc, ce que la postérité du diable a fait dans le passé, il le refera. C'est une erreur de croire que nous serons plus sobres et que nous ne tuerons pas. Des plaisirs égoïstes, voilà ce que nous propose le dragon. Et nous les satisferons exactement comme les antidéluviens en meurtriers et menteurs. Le dragon n'est pas Dieu, il n'a pas de pouvoir divin. Le diable est une créature comme nous-mêmes. Et aucune créature ne peut défaire ce que le Créateur a fait. Le dégrader et l'enlaidir, le pousser à une mort prématurée, oui. Et c'est ce qu'a fait le diable en introduisant le péché dans ce monde. Et j'entends dire qu'il pourrait modifier les ADN en remaniant l'ARN. La Bible nous dit que la connaissance augmentera, mais pas au point d'égaler notre Dieu lui-même. Satan et son armée de scientifiques n'ont pas ce pouvoir. Ils ne pourront jamais forcer les consciences. Toutes ces manipulations génétiques, si les résultats de ces travaux sont vraiment à la hauteur de ce qu'ils annoncent, ne peuvent que dégrader encore plus notre santé et nous conduire à une mort prématurée. Mais jamais notre Dieu Tout-Puissant ne pourra être égalé. Et penser que cela pourrait être possible à des créatures, c'est douter de notre Créateur, un doute qui affaiblit grandement notre foi, puis notre entendement des choses spirituelles. Le pouvoir de l'ennemi de nos âmes est de séduire pour nous faire désirer le mal et ensuite succomber par choix personnel. Nul n'obtiendra la marque de la bête par force ou contre sa volonté. La marque de la bête s'obtiendra par le fruit de nos actes et nos décisions. Tous ceux qui ne choisiront pas de vivre la vie que Jésus les invite à vivre ne seront pas scellés du sceau de Dieu, mais recevront la marque de la bête. Un autre point que le caractère meurtrier que le monde héritera du dragon est une loi propre au système judiciaire américain, représentée par la corne américaine de la bête à deux cornes. Il s'agit du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice bien organisée pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Et il garantit en conséquence à tout citoyen américain le droit de détenir des armes. La marque de la bête est une action consciente et engagée, celle de tuer premièrement. Je dis donc ici que la marque de la bête est de tuer premièrement, car nous verrons par la suite de l'étude que le dragon est digne de son nom, meurtrier et menteur. Les États-Unis, pays chéri et copié de tous, est un pays qui a beaucoup de délinquance meurtrière à cause de ce droit fondamental pour chaque citoyen américain de se procurer et porter une arme et de l'utiliser pour tuer en toute légalité. C'est quelque chose qui est dans l'esprit américain depuis près de 3 siècles maintenant. Et les Américains ne vont pas y renoncer. Au contraire, c'est la planète entière qui héritera de ce droit de manière légale. Comprenez que le but du dragon est que toute la loi de Dieu soit foulée aux pieds par les habitants de la terre. Violer les lois de Dieu, le monde le fait déjà et n'a pas besoin de loi pour le faire. Idolâtre, blasphème, violation du sabbat, déshonorer ses parents, adultère et fornication, mentir, convoiter, voler, nier l'existence de Dieu, tous ces péchés font corps aux mondains et aucune loi ne les condamne ouvertement. Mais tuer, c'est condamnable, sauf si cela permet de constituer une milice bien organisée pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Chaque citoyen américain contribue à la sécurité de tous, donc tuer un hors-la-loi pour se défendre soi-même ou son prochain, c'est légal et utile pour le pays. Donc l'action tuer deviendra une action légitime et commune pour tous les habitants de la terre, sous le gouvernement de la bête à deux cornes, et un péché que le dragon rendra officiel et libre
pour tous par une loi planétaire. Tuer, c'est prendre la vie que le Dieu de la vie a donnée. Donc cette mauvaise action est la marque de la bête pour tous ceux qui s'y soumettront. Avec cette loi et l'acquisition d'armes pour tuer et la déchéance des mœurs humains, les hommes tueront pour obtenir tout ce qu'ils souhaitent, comme les antédiluviens. On tuera pour cacher ses forfaits et ses pulsions malsaines, pour voler l'autre en toute impunité, pour vivre égoïstement sans être repris par qui que ce soit, sauf peut-être par le témoignage de la vie irréprochable des élus de Dieu. Ce sont des impies, des gens qui violent toutes les lois divines. Donc ce deuxième amendement et le caractère meurtrier du dragon conduiront les habitants de la terre à devenir des meurtriers. La marque de la bête sur la main droite est cette mauvaise action consciente et engagée. Mais cette action mauvaise, mais libre, ne sera pas acceptée par tous. Et la vie exemplaire du reste choisi par Dieu les conduira à mettre en place un stratagème pour se débarrasser de ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre à cette marque. Ce qui nous conduit à voir pourquoi la loi du dimanche est une loi parmi plusieurs lois dans un premier temps et le rôle qu'elle va jouer dans ce temps de la fin lorsqu'elle deviendra planétaire. Avant de commencer, sachez que faire cette étude et la publier, comme je l'ai comprise, n'a pas été chose facile. Il a fallu que je désapprenne ce que j'avais appris pour réapprendre. La logique était que je vous dise tout simplement que la loi du dimanche est la marque de la bête, car c'est ce que l'Église adventiste m'a apprise. Je l'ai toujours acceptée sans poser de questions, croyant sincèrement que c'était une révélation divine faite à Ellen G. White. Et lorsque j'ai commencé mon étude, les textes des écrits de Sir White ne m'ont pas conduit à cette conclusion simpliste qui diminue l'action toute puissante du Dieu Tout-Puissant que nous adorons car il en est digne. Je vais donc utiliser la Bible et les textes de l'Esprit de la prophétie rapportés dans les écrits d'Ellen G. White pour vous présenter mon étude et le pourquoi de ma conclusion. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez que j'apprécie l'auteur Ellen G. White et que j'ai fait plus d'une vidéo avec pour base ses écrits. Vous allez voir que là encore, ses écrits ont été à la hauteur et ont révélé un Dieu unique au contrôle de chaque petite chose sur cette terre, et que rien ne peut le prendre de vitesse, surtout pas la marque de la bête. Commençons. Et elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, versets 14 et 15. La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Tragédie des siècles, page 657. Or,
Le premier décret qui poussera les habitants de la terre à fouler aux pieds la loi de Dieu est le décret du deuxième amendement américain. Lors de la promulgation de cette première loi, s'opposant directement au sixième commandement de Dieu, tu ne tueras point, tous ceux qui s'y soumettront seront marqués par la bête, une marque de soumission au dragon et de rébellion ouverte envers Dieu. Nous entrons ainsi dans le temps des impies. La lumière que nous avons sur le message du troisième ange est la vraie lumière. La marque de la bête est exactement telle qu'elle a été annoncée qu'elle serait. Nous n'avons pas encore tout compris à cet égard. Et tout ne sera pas compris tant que le livre n'aura pas été entièrement déroulé. Testimony for the Church, volume 6, en 1900. En 1900, l'auteur Ellen G. White dit clairement que notre compréhension à l'égard de la marque de la bête augmentera à mesure que le livre des événements sur notre terre serait déroulé. Oui, à chaque période de l'histoire de notre monde, le panorama de la prophétie se dessine de plus en plus clairement et nous sommes tenus d'en tenir compte et non de nous figer dans le temps où elle a été transcrite. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde entier le dernier appel de miséricorde. Ce sera au péril de leurs âmes que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence, pourvu qu'ils fassent leur devoir. Ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences, Dieu s'en occupe. Tragédie des siècles, page 661. Comme vous vous en doutez certainement, les quelques références écrites par l'auteur Ellen G. White sur la marque de la bête sont reprises dans de nombreux livres compilés, bien après la parution des écrits originaux. Pour illustrer le pourquoi de la conclusion de ma dernière étude, je me contenterai du livre « La tragédie des siècles », livre rédigé par l'auteur elle-même, et quelques témoignages. J'éviterai donc les compilations qui regroupent des morceaux de texte attachés les uns aux autres et nous mettent à comprendre ce que le compilateur veut bien nous faire comprendre et non véritablement le contexte et la pensée de l'auteur original. Partant des données que fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête, j'ai donc choisi le chapitre 25 du livre « Tragédie des siècles, la loi de Dieu est immuable ». Excellent chapitre dans lequel on comprend pourquoi à l'époque la bête est la papauté et ça marque le faux sabbat du premier jour uniquement. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Apocalypse 11, verset 19. La déclaration concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste. En 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire. Tragédie des siècles, page 469. La loi de Dieu déposée dans le sanctuaire céleste est l'auguste original du code dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduites par Moïse dans le Pentateuque étaient une copie conforme. Page 470. La constatation de ce fait important amena les adventistes à comprendre la nature sacrée et l'immutabilité de la loi divine. Ils virent comme jamais auparavant la portée de ces paroles du Sauveur. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Révélation de la volonté de Dieu, transcription de son caractère, la loi de Dieu, en sa qualité de témoin fidèle qui est dans les cieux, est impérissable. Au centre même du décalogue se trouve enchâssé le quatrième commandement, tel qu'il fut proclamé à l'origine. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier.
page 470. Donc, pour les Adventistes, tout commence en 1844, lorsque le Seigneur passe dans le lieu saint au lieu très saint pour commencer son œuvre expiatoire en faveur de son peuple. Et cette œuvre qui reflète le caractère même de notre Saint Sauveur et notre Père dans les cieux est basée sur les 10 paroles écrites du droit de Dieu, une loi immuable. Cette vérité fut acceptée par les Adventistes qui, par obéissance pour notre Seigneur, gardèrent les 10 commandements de Dieu sans omettre le 4e, le sabbat véritable de l'Éternel, le 7e jour de la semaine et non le 1er, comme le faisaient les chrétiens du monde entier. L'instruction du jugement commencée en 1844 se poursuivra jusqu'à ce que les cas des morts et des vivants aient tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin du temps de grâce, pour donner aux hommes la possibilité de subsister devant le Seigneur. Le message les invite à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Le résultat de l'obéissance à ces messages est indiqué en ces termes. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tragédie des siècles, page 472. Ce message du jugement de Dieu commencé en 1844 fut et devra toujours être proclamé par les Adventistes du 7e jour avec l'ordre solennel de garder le sabbat de l'Éternel le 7e jour jusqu'à la fin du temps de grâce. Jésus avait ouvert la porte du lieu très saint. Par cette porte avait jailli un flot de lumière. Et l'on avait compris que le 4e commandement faisait partie de la loi renfermée dans l'arche sainte. Ce que Dieu avait établi, nul ne pouvait le renverser. On découvrit ces mêmes vérités au 14e chapitre de l'Apocalypse. Les 3 messages de ce chapitre constituent un triple avertissement qui doit préparer les habitants de la terre pour la seconde venue du Seigneur. Page 471. Les premières pages du chapitre démontrent l'importance de l'observance du vrai sabbat dans la relation de fidélité de la créature à son créateur. Puis, on en arrive à la prophétie des 2 bêtes par le triple message du 14e chapitre de l'Apocalypse qui invite les hommes à adorer le Créateur, signifie, comme résultat de son appel, la formation d'un peuple qui observe les commandements de Dieu. Or, l'un de ces commandements rappelle formellement que Dieu est le Créateur. Le 4e précepte dit en effet, « Le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. » Page 473. La sœur Watt croyait et attendait le retour du Seigneur de son vivant. Ce, comme nous le verrons, était tout à fait plausible et possible. Lors de la parution de la première édition de son livre « Tragédie des siècles » en 1888, on comprend à travers ses écrits qu'elle ne fait pas toujours uniquement des révélations divines et prophétiques, mais qu'elle savait se placer en sentinelle et interpréter les événements de la fin en observant le panorama prophétique de son époque. Et dans ce panorama prophétique, 2 protagonistes susceptibles de mener à sa fin la tragédie finale de notre terre se trouvaient au devant de la scène. Quelques témoignages qui montrent qu'elle croyait que le Seigneur reviendrait de son vivant. L'assemblée présente à la conférence me fut montrée. L'ange me dit, certains sont réservés à la nourriture des vers. D'autres subiront les 7 dernières plaies. D'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. Testimony for the Church en 1856. Il n'est pas vraiment sage de mettre maintenant des enfants au monde. Le temps est court, les périls des derniers jours nous menacent et les petits-enfants périront en grand nombre auparavant. Lettre 48 en 1867. L'heure viendra, et elle n'est pas loin, où quelques-uns d'entre nous qui sont croyants verront sur terre de leur vivant s'accomplir la prédiction et entendront la voix de l'archange et la trompette de Dieu éveillant l'écho des montagnes, des plaines et des mers jusqu'aux parties
les plus reculés de la Terre. The Review and Herald, juillet 1888. Le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché. Mécha choisi en 1892. Revenons à la tragédie des siècles. En contraste avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, le troisième ange signale une autre classe de gens contre les erreurs desquelles il profère ce solennel et terrible avertissement. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. L'intelligence de ce message exige une interprétation correcte des symboles employés. Or, que représentent respectivement la bête, l'image, la marque de la bête? Page 475. Le message du troisième ange se situe dans le temps proche de la concrétisation du jugement de Dieu par le déversement des sept derniers fléaux sur la terre et les habitants de la terre. La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au 12e chapitre de l'Apocalypse avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Le dragon, nous est-il dit, c'est Satan. C'est lui en effet qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, il en résulte que le dragon représente Satan. Il représente aussi, à un point de vue secondaire, l'Empire romain sous forme païenne. Page 475. Le 13e chapitre nous donne la description d'un autre animal qui ressemble à un léopard, auquel le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté qui réussit à s'emparer de la puissance du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. Ici, la particularité de la bête qui est retenue est qu'elle était semblable à un léopard. Le léopard nous suit après le règne de la Grèce et nous introduit directement avec la petite corne, la papauté. Notons aussi que la bête représentant la papauté du chapitre 13 de l'Apocalypse était une croyance protestante de son temps. Puis les pages suivantes expliqueront les versets 6 à 10 d'Apocalypse 13, soit le règne de la petite corne qui est la papauté de 538 à 1798. Jamais elle ne fait allusion à la particularité 10 cornes et 7 têtes de la bête, car cette bête n'est pas du tout dans le panorama prophétique de son époque. La papauté étant identifiée, elle nous explique un nouveau symbole. Ici apparaît un symbole nouveau. Le prophète dit « Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » L'aspect de cette bête et la façon dont elle se révèle indiquent une nation différente des puissances représentées par les autres symboles. Quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur? L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation seule remplit les conditions de notre prophétie. Les États-Unis d'Amérique, page 477. Dans les pages suivantes, elle cite des auteurs divers pour appuyer son interprétation. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre, en 1798. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Page 478. La pureté d'antan des USA
étant cité, les USA sont maintenant projetés dans le temps présent, à savoir que cette bête à deux cornes parle comme un dragon. Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard, page 479. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Et comment se forme-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celle de la papauté, page 480. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Page 480. Les pages suivantes décrivent le déclin des protestants qui font allégeance à la papauté en acceptant le faux sabbat du dimanche. Là aussi, les interprétations sont appuyées par des auteurs et écrivains catholiques confirmant que le dimanche est le signe de supériorité de la papauté qui se place ainsi au-dessus de Dieu et que de s'y soumettre est rejeter Dieu et recevoir le sceau de la papauté identifié comme la bête léopard, donc son signe est la marque de la bête. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Reste à définir la marque de la bête. Après nous avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la prophétie ajoute « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Page 482. La caractéristique de la bête et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Page 483. La papauté a effectivement tenté de changer la loi de Dieu. Dans leur catéchisme, le second commandement qui interdit le culte des images a été supprimé et le quatrième a été altéré de façon à ordonner comme jour de repos l'observation du premier jour de la semaine au lieu du septième. Page 483. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le quatrième commandement, signe de la puissance créatrice de Dieu et le témoignage rendu à son droit aux hommages de l'humanité, les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine. Page 484. Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants, qui en observant le dimanche reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du quatrième commandement
n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique? En d'autres termes, la marque de la bête, page 486. Notons ici que cette déduction est faite sous forme interrogative et que c'est la marque de l'autorité de l'Église catholique, donc la bête, puisque la bête est identifiée comme étant la papauté. Ainsi se réjouit-elle en constatant que l'idée d'une loi du dimanche gagne du terrain, assurée de voir, tôt ou tard, le monde protestant revenir dans son giron. L'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant l'acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Page 486. 1. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi, 2. Et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, 3. Celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu. 4. Adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine. 5. Et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. 6. Celui-là recevra la marque de la bête. Page 486. Donc, nous voyons que pour recevoir la marque de la bête, plusieurs conditions sont requises. Donc, pour moi, la vraie question est, que signifie recevoir la marque de la bête? Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. D'une part, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leur puissance pour contraindre tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Page 487. Par la lecture de ce chapitre, on comprend donc le panorama prophétique de 1888. De la bête semblable à un léopard, Apocalypse 13, le seul membre existant est effectivement la papauté. Donc elle dessine la papauté comme étant cette bête d'Apocalypse 13. Quant à la bête à deux cornes, son association à l'agneau est en totale conformité avec l'Amérique puritaine du moment, pays qu'elle connaît bien puisque c'est le sien. Si le buffle n'est pas le symbole officiel de l'État, il est néanmoins l'emblème de certains États comme celui du Texas. Le choix des protestants de garder le premier jour comme jour du Seigneur, tout en sachant que c'est Rome qui a changé le jour du sabbat de l'Éternel et que depuis bientôt 50 ans, ils font face aux adventistes du septième jour, prêchant et apportant la preuve biblique que le Seigneur Jésus n'a aucunement aboli la loi immuable, ouvre clairement la vision du déclin du protestantisme qui s'alliera à l'État par son système judiciaire, déjà bien établi en 1888. Et l'Amérique deviendra une bête qui parle avec arrogance et combattra ouvertement les véritables serviteurs de Dieu en proclamant une loi qui les obligera à renier le véritable sabbat, sinon mourir. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attire sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre le péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Tragédie des siècles, page 87. Par ses paroles, elle appelle ses frères adventistes à redoubler de zèle pour proclamer ce dernier message afin que le monde ne périsse point par manque de connaissances. Effectivement, les signes étaient là
et le maître aurait pu déjà revenir dans ce temps pour mettre fin à la souffrance de ses enfants. Mais les dirigeants de l'église ne la soutenaient point. C'était pour eux le temps de réclamer un meilleur salaire et ils ont mis en face d'elle un certain docteur Kellogg's, agent de Satan, dont les travaux et agissements ont désorienté les membres de l'église, poussant beaucoup à se séparer d'elle plutôt que de proclamer le dernier message. Même dans ce temps-là, Sir Wright n'a pas baissé les bras et a continué d'encourager les frères et les sœurs. Alors que les agissements de ce frère divisaient le mouvement adventiste à cause de l'autorité que les dirigeants avaient accordée à cet homme, la sœur Wright refusa de laisser quiconque penser ou dire que l'Église du reste puisse être Babylone. Que chacun veille à ne pas s'insurger contre le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église sur la terre qui n'est comparable à aucune autre, supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste représente Babylone, vous êtes dans l'erreur. Testimonies to Ministers and Gospel Workers en 1896. Les 10 années qui suivirent la publication de Tragédie des siècles ne prit pas l'ascendance souhaitée. Bien au contraire, division et irrespect du prophète de l'Éternel firent que l'Église adventiste faillit à sa mission. Alors qu'elle aurait pu, avec zèle et une foi sincère en Christ, toucher le monde entier par la prédication du message du troisième ange en 10 années seulement, et voir de leur vivant le maître revenir de dessus les nuées, événement que plusieurs d'entre eux avaient attendu lors de la prédication de William Miller 50 ans auparavant, loin de s'humilier, le peuple a taché le caractère que Christ voulait façonner à sa propre image. Ellen G. White nous rapporte une vision qu'elle a eue étant jeune. Cette vision explique celle que Jean a eue dans Apocalypse 7, versets 1 à 3. Le sabbat après-midi, un de nos frères qui était malade demanda que l'on prie pour lui afin d'obtenir la guérison. Nous en unîmes donc tous pour implorer le grand médecin dont les soins sont toujours efficaces. Et tandis que la puissance guérissante se faisait sentir et que le malade était guéri, l'Esprit de Dieu reposa sur moi et je fus ravi en vision. Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle, éleva les mains et s'écria d'une voix émue : Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu assis sur le grand trône blanc et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre. Et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main, il cria d'une voix forte : Retenez, 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 retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Je demandai à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et ce qu'allaient faire les 4 anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre, que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les 4 vents allaient souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé. Et il leva les mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les 4 anges. Il leur demanda de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu vivant. Premiers Écrits, pages 37 à 38. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant
et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Une lecture approfondie de ces versets suscite quelques questions. Pourquoi demande-t-on à quatre anges de ne pas faire du mal à la terre alors que l'on vient de nous dresser le tableau de quatre anges debout qui retiennent les quatre vents? Comment cela se fait que ces anges étaient prêts à accomplir leur mission alors que tous les serviteurs de Dieu n'étaient pas encore scellés? Qui marque du sceau le front des serviteurs de Dieu? Pourquoi cet événement est-il montré à Jean? Cette même vision étant révélée à Ellen G. White avec des explications de l'ange, nous montre que le Seigneur a fixé un temps de probation pour les habitants de la terre et durant ce temps, les vents sont retenus par quatre anges serviteurs de Dieu. Verset 1. Temps de la proclamation des messages des trois anges. À la fin de ce temps, les fléaux seront déversés sur la terre et les habitants de la terre par d'autres anges serviteurs de Dieu, représentés par les quatre anges au verset 2, à qui on dit de ne pas faire du mal à la terre. La fin de ce temps est marquée par une proclamation massive du message du troisième ange. 2. Normalement, lorsque le temps du déversement de la coupe de la colère de Dieu est arrivé, tous les serviteurs de Dieu sont scellés grâce à la puissance de la proclamation du dernier message du troisième ange. Et Dieu donnant toujours les moyens à son peuple de réaliser tout ce qu'il ordonne, le fait que la prophétie montre des anges célestes prêts à exécuter leur mission, mais sont finalement retenus, car tous les serviteurs terrestres de Dieu ne sont pas scellés du sceau de Dieu, indique que le peuple de Dieu a manqué à sa mission. Et c'est exactement ce qui est arrivé au peuple adventiste après la première parution du livre « Tragédie des siècles » en 1888, qui expliquait aux adventistes ce qu'ils devaient faire pour réaliser cette mission. Le livre « Tragédie des siècles » était le moyen que le Père leur avait donné. Troisièmement, gloire soit rendue à Dieu que celui qui marque du sceau le front des serviteurs est notre Seigneur Jésus lui-même, car même si le texte nous dit « nous », rappelons-nous toujours que seul l'agneau immolé en est digne et dans sa clémence, notre Seigneur n'omettra personne. Apocalypse 5, 9. Et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et quatrièmement, je pense que cette vision a été montrée à Jean pour que nous sachions et comprenions que lorsque le point fondamental d'une prophétie est réalisé, à savoir tout mettre en œuvre pour qu'aucun serviteur de Dieu ne soit perdu, Dieu intervient et délivre son peuple des griffes de l'adversaire. Dieu n'attend pas que le diable utilise toutes ses cartes pour intervenir. Il use de patience afin qu'aucun de ses serviteurs ne périsse. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Donc, à nous de proclamer le dernier message en masse pour que Dieu accomplisse envers nous sa promesse. Dans le panorama prophétique que nous dressait Sir Watt en 1888, la prophétie d'Apocalypse 13 n'était en rien faussée et la soumission au signe de la papauté, la bête, était sans aucun doute cette marque finale que recevraient les habitants de la terre qui rejeteraient le quatrième commandement de Dieu. Car dans ma compréhension, c'est plutôt le fait que ces gens rejettent les commandements de Dieu et tout particulièrement le quatrième qui est pour eux le dernier test avant que Dieu lui-même les déclare comme ayant la marque de la bête. Car le dragon lui-même séduit et ceux qui succombent lui font une image ou reflètent son image dans leur mode de vie. Cette image est de violer la loi divine, soit tous les commandements divins. Et nous voyons que Sir White rapporte tout ce qu'elle a vu dans le panorama prophétique
faut que tous soient mis en garde. Maintenant, près de 130 années plus tard, est-ce que, si je me poste en sentinelle, mon panorama prophétique d'Apocalypse 13 est identique à celui de Sir White en 1888? Identique au point que je n'ai qu'une seule mise en garde à proclamer pour que le peuple de Dieu sorte de Babylone? Aujourd'hui, cela fait presque 200 ans que le message du véritable sabbat est prêché. Et je ne me souviens pas avoir, personnellement, eu à révéler durant ces dernières années à qui que ce soit que le dimanche n'était pas le sabbat de l'Éternel. La vérité est que tout le monde le sait, mais pense que le sabbat est à notre disposition, donc on choisit celui qu'on veut, samedi ou dimanche. Mais ils savent bien que le véritable jour, c'est samedi. C'est pour cela que nous devons suivre les conseils de l'esprit de la prophétie quand il nous est dit qu'il s'agit d'un triple message et que le premier doit toujours être repris avec les autres. Car la relation de la créature avec son créateur doit toujours être mise en avant. Mais tout ce que la sentinelle voit du haut de sa tour doit être rapporté. Sinon, le sang des perdus nous sera réclamé. Ézéchiel 3, verset 18. La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Tragédie des siècles, page 657. Donc, aujourd'hui, qu'en est-il de la nuit? Qu'est-ce que la sentinelle que je suis voit dans les ténèbres de ce monde qui va de pire en pire? Quels sont les pièges qui nous pousseront à fouler aux pieds la loi de Dieu? Est-ce que j'ai simplement à accepter le sabbat du septième jour et je serai à l'abri de recevoir la marque de la bête? Est-ce que la marque de la bête est vraiment une seule loi? Et pourquoi la loi du dimanche condamnera le monde à recevoir la marque de la bête? Tout d'abord, sachez que la marque de la bête n'est pas juste un état d'esprit. C'est une réelle soumission aux lois humaines plutôt qu'aux lois de Dieu. La Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La marque de la bête ne peut être cachée, car ce sont des lois qui la régissent. Donc, du haut de la tour de sentinelle dans le panorama prophétique aujourd'hui, soit 130 ans après Ellen G. White, je vais vous rapporter tous les dangers pouvant faire tomber et recevoir la marque de la bête. Premièrement, je vois la bête à 10 cornes et 7 têtes dont la papauté est un membre et non la bête à elle seule. Je vois bien les 10 cornes avec leur diadème. Ces chefs d'État sont présents sur la place. Ils règnent comme des rois, ne tenant point compte du peuple. Leur politique est devenue une politique de décision à sens unique. Tout se fait à coups de décrets et d'amendements, sans l'avis préalable du peuple. Je peux voir la détermination de ces cornes de s'unir pour un seul gouvernement mondial. Et j'ai l'impression qu'ils sont déjà entrés dans leur règne d'une heure. Apocalypse 17, verset 12. Je vois également les 7 têtes des religieux menteurs, donc avec le caractère du diable et non de Jésus, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Ils ont tous un point commun. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme la Bible présente.
Qu'ils soient chrétiens ou pas, leur but n'est pas d'amener les fidèles à Christ, mais au contraire de les retenir près d'eux pour les perdre. Ils portent des noms de blasphème. Ils se sont unis dans un mouvement interconfessionnel, l'œcuménisme, pour les chrétiens, et organisent des dialogues interreligieux entre religions de tous bords sur toute la planète. Je vois aussi la papauté. Elle a une double position au sein de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Elle séduit effectivement les habitants de la Terre. Le pape actuel semble avoir gagné le monde par son charme, décideur et meneur dans toutes les grandes décisions du monde. Réformateur et innovateur, il rend public ses encycliques, normalement destinées aux évêques et à l'Église catholique. Il fait partie de l'ordre des jésuites, l'ordre le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Et bien sûr, il reste garant des dogmes et traditions, sans omettre le repos hebdomadaire du dimanche, il en parle souvent. Je vois aussi les États-Unis. Elle n'a plus rien à voir avec l'Amérique puritaine d'il y a 130 ans. Elle a aussi une double position au sein de la bête tête à 10 cornes et 7 têtes. Entre violence et tuerie, les États-Unis possèdent le système judiciaire le plus complexe et le plus complet de la planète. Leur premier amendement protège la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de presse, ainsi que le droit de se réunir et de pétition. Leur deuxième amendement protège le droit des citoyens de posséder ou porter des armes et de former une milice. Ce sont les deux premiers amendements sur 27. Ces amendements sont des lois qui doivent être respectées dans tous les États américains. Ils sont la figure des USA. Ils ne peuvent être abrogés. Ils feront corps avec la bête à deux cornes, car ils représentent la base du système judiciaire des États-Unis. Et gardons en tête que le déclin vers sa fin et que l'Église s'unit à l'État pour bénéficier de ces lois, pour faire pression sur les habitants de la Terre. Donc le but n'est pas d'abolir les lois américaines, mais au contraire, les renforcer. Et elles seront rendues planétaires. Je vais maintenant citer quelques textes clés dans le chapitre de Tragédie des siècles que je vous ai présenté en amont, qui me permettront d'arriver à ma conclusion. Dans le panorama prophétique que j'ai aujourd'hui, et non celui qu'Ellen White avait en 1888, c'est par la loi et ses décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Lorsque la bête à deux cornes entre en scène, elle se distingue premièrement par ses lois. Donc c'est d'abord son système judiciaire qui fait foi. La caractéristique de la bête et par conséquent, celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Page 83. Le deuxième amendement du système judiciaire de la bête est une transgression directe au sixième commandement de Dieu. La question étant ainsi posée, rouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaut à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autre autorité que celle de Dieu. La première loi qui conduira à fouler au pied la loi de Dieu est cet amendement. Donc, tout individu qui se soumettra à cet amendement recevra la marque de la bête, soit la soumission à l'image de la bête. La transgression des commandements de Dieu, ici le sixième, tu ne tueras point. La marque de la bête se manifeste donc par cette mauvaise action, tuer. Le deuxième amendement est la première loi qui attaquera Dieu, et l'action de tuer deviendra la marque de la bête. Comme des sentinelles fidèles, nous devons voir l'approche de la menace et donner l'alerte, afin que les hommes et les femmes ne demeurent pas dans l'ignorance et puissent changer de voie. Review on WeRide, décembre 1889. Car beaucoup se sentent à l'aise et comme endormis. Ils disent: si la prophétie a annoncé la promulgation de la loi du dimanche, la loi sera sûrement mise en vigueur. Et parvenu à cette conclusion, ils s'assoient dans l'attente calme de l'événement, se rassurent eux-mêmes à la pensée que Dieu protégera son peuple au jour de persécution. Mais Dieu ne nous sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée.
Review in Wild, décembre 1889. La prophétie nous dit, elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et dans le panorama prophétique aujourd'hui, cette première bête n'est pas elle seule la papauté. Et les cornes sont autant acteurs que les têtes. Et à ce jour, une corne a déjà rédigé elle aussi une loi qui surplante l'autorité divine. Lorsqu'elle devient planétaire, elle devient la marque de la bête. Les cornes de la bête sont ceux qui porteront la première attaque aux serviteurs de Dieu. Et dans le panorama prophétique aujourd'hui, la papauté a deux sièges au sein de la bête, comme les USA. Et ces deux têtes sont en accord avec une loi qui surplante l'autorité divine. Lorsqu'elle devient planétaire, elle devient marque de la bête. Mais cette loi est le test final, donc la dernière attaque qui sera faite aux serviteurs de Dieu. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le quatrième commandement, signe de la puissance créatrice de Dieu, et le témoignage rendu à son droit aux hommages de l'humanité, les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine. Bientôt, on imposera les lois sur le dimanche et des hommes occupant des positions de confiance s'agiteront contre la petite poignée de croyants gardant les commandements de Dieu. Manuscrit Release, 1909. Donc, non seulement le peuple de Dieu ne se soumettra pas à la loi de tuer qui permettrait à la bête de les marquer, il vivra de manière irréprochable, sans enfreindre de les lois en vigueur et sans pour autant s'y soumettre. Étant observateur du véritable jour du repos, il se distinguera chaque sabbat par le culte qu'il rendra à son Dieu. Ce témoignage mettra en évidence la souillure des faux adorateurs du Christ qui, comme les commissaires de Babylone du temps de Daniel, chercheront à les faire tuer avec une loi qui remettra en cause leur adoration au vrai Dieu. Donc, ces adorateurs du dimanche feront pression sur l'État pour que ces adorateurs du samedi soient tués. Mais le premier amendement protège et donne le droit de choisir sa propre religion. Premier amendement protège la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de presse ainsi que le droit de se réunir et de pétition. Donc, pour éviter tout point de discrimination, une loi du dimanche stipulera que toute adoration déiste doit se faire pour le bien de tous les terriens le dimanche. Car, dans le panorama prophétique d'aujourd'hui, les cultes du dimanche ne sont plus réservés qu'aux chrétiens. On peut y ajouter les cultes vaudou, sataniques, ésotériques et lodges. Nous sommes dans l'ère de l'impie, le même esprit des antidéluviens, égoïste et méchant, sans Dieu ni loi. Donc le monde entier ne s'alliera pas automatiquement à la papauté, mais au dragon, oui. Le royaume de Satan est divisé et le restera jusqu'à la fin. Et le jour du soleil est avant tout celui du diable, le faux dieu soleil du paganisme bien avant l'ère papale. Et c'est le souhait du dragon, violer le quatrième commandement par tous les moyens. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises feront une image à la bête. Il s'en suivra que tous les pays protestants qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Donc comprenons que dans un premier temps, seuls les pays protestants imposeront et rendront l'observation du dimanche obligatoire. Car la papauté et le protestantisme apostat réclamera son moment de gloire certainement. Mais à ce moment-là, les fidèles du véritable Dieu se déplaceront et iront habiter dans les États ou les villes non protestants. Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. Mais tous les habitants de la terre doivent prendre position et pas seulement les chrétiens. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour que la violation du sabbat devienne aussi marque de la bête, la loi d'adorer uniquement le dimanche doit devenir planétaire. Donc l'Église doit soudoyer l'État pour y parvenir et ainsi abolir le premier amendement. Voilà pourquoi je pense que le verset d'Apocalypse 13, 17 est directement lié à cette loi. Souvenez-vous de ce que proposa Aman au roi Assyrus pour pouvoir exterminer un peuple que lui détestait. 1000 talents d'argent pour gonfler les trésors du roi. Et bien sûr, cet argent serait prélevé des pillages qui seraient faits aux Juifs. Le roi accepta et lui donna son anneau pour qu'il puisse exécuter ses projets. Esther chapitre 7. C'est ce que fera l'Église pour que leur haine contre les serviteurs fidèles de Dieu soit assouvie. L'argent sera obtenu par une partie des biens et revenus des fidèles et la totalité des biens confisqués à ceux qui refusent de se soumettre à cette loi. Sur mon étude précédente, je l'ai appelé dîme, car c'est à ce jour le don commun qu'ont toutes les églises. Mais quand viendra le temps, nous saurons exactement le nom de cette taxe ou don obligatoire. Un autre texte m'a inspiré dans mon interprétation. Ésaïe 55, lisez-le. Ce texte est comme une consolation de Dieu à ce peuple que l'on prive à cause de leur amour pour Dieu. Dieu les invite à venir acheter sans argent, car ils n'ont plus rien. Dieu dit qu'ils sont ses témoins pour les peuples. Ces tribulations et ces persécutions ne seront pas inutiles. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi, 2, et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour de repos, 3, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête, de préférence à Dieu, 4, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu celui de l'autorité divine, 5, et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah, 6, celui-là recevra la marque de la bête. Et par cette dernière loi humaine, les pensées du cœur de l'humanité entière sont révélées à l'univers tout entier. On voit ouvertement que ceux qui ont déjà accepté de suivre Jésus partout où il va, persévèrent malgré tout dans leur soumission aux lois de Dieu, et que ceux qui sont déjà soumis au dragon et à la bête se soumettent à cette dernière loi d'adorer le dragon le dimanche et ainsi confirmer ouvertement leur appartenance à la postérité du diable. C'est Dieu lui-même qui, par ce dernier test, validera pour tous les habitants de la terre à ce moment, marque de la bête, et l'accomplissement de la prophétie se réalisera. Cela veut-il dire qu'avant ce dernier test et loi, ces gens n'avaient pas encore été marqués par le sceau de la bête ou par le sceau de Dieu? Premièrement, le test est pour les fidèles de Dieu. Vont-ils passer cette dernière épreuve de feu? C'est ce que l'univers et les anges veulent savoir, car Dieu sait, il nous a déjà scellés. Deuxièmement, la loi d'adorer le dimanche est pour les impies. Vont-ils aussi fouler aux pieds le quatrième commandement de Dieu, qui révèle que Dieu est créateur et eux des créatures qui lui doivent soumission et honneur, et se soumettre à cette dernière loi humaine? C'est ce que l'univers et les anges veulent savoir, car Dieu sait, il ne les a pas scellés. Il est clair que ces gens étaient déjà marqués du sceau de la bête, bien avant cette dernière loi. Mais Dieu est un Dieu juste et clément, et il agira avec les impies comme il a agi avec Judas l'Iscariote. Est-ce que Judas devient fils de la perdition lorsque ce dernier soir Jésus lui dit « Va et fais ce que tu dois faire ». Il était déjà, mais c'est Dieu qui décide quand est venu le point de non-retour. Après cela, Judas a confessé ouvertement son crime, mais il n'a pas pu retrouver le chemin de l'enseignement du maître. Et Pierre, était-il perdu lorsqu'il a renié le maître? Non, parce qu'avant de renier le maître, il ne l'était pas. Alors, il a su demander pardon et suivre l'enseignement du maître. Et les antédiluviens, ils se sont condamnés en ne rentrant pas dans l'arche avant que la porte ne soit fermée? Non, ils s'étaient déjà condamnés par leur mode de vie impie
bien avant que Noé n'entre dans l'arche. C'est la même chose pour les impies de la fin. Ils étaient déjà marqués par la bête avant ce dernier grand péché. Fouler au pied la loi de Dieu ou obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Le fait que Dieu nous ait révélé à travers l'esprit de la prophétie des écrits d'Ellen G. White, ce dernier épisode de la fin de notre monde, qui jusqu'à ce jour refuse de reconnaître la suprématie de notre Dieu en violant ouvertement ses lois et celui du sabbat encore plus, ne signifie pas que le quatrième commandement sera le seul à être foulé aux pieds, le dernier, oui, mais pas le seul. Le dernier, oui, mais pas le seul. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse 9, versets 20 à 21. Comment être certain que chacune des lois de Dieu ne sera pas déshonorée par le dragon et son système judiciaire? On peut voir dans le panorama prophétique également la doctrine de la Trinité inventée de toutes pièces par Rome qui viole directement le premier commandement de Dieu. Pourquoi n'en ferait-il pas une loi planétaire, surtout qu'elle sera utilisée pour actionner quelques grenouilles? Nos enfants nous résistent car ils ont le droit de nous dénoncer si nous les corrigeons. N'est-ce pas là une atteinte au cinquième commandement, le second amendement américain? N'est juste qu'une alerte, une façon sans danger apparent de tomber dans le filet de la bête et recevoir sa marque. Alors, que vous soyez d'accord ou pas sur ma compréhension de la marque de la bête, de grâce, n'attendez pas la puce redoutable ou la proclamation de la loi du dimanche pour réagir. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie et dans votre relation avec le Créateur. Car nous ne devons pas ignorer la nomination d'un pape jésuite au Vatican nous signale le retour en force et en première ligne de l'ordre jésuite, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Ces fanatiques meurtriers qui ont pour mission de rétablir la suprématie papale à tout prix. Et nous savons que le monde protestant est revenu à son giron. Donc l'association avec la papauté pour la suprématie mondiale a déjà commencé, même si nous ne le voyons pas ouvertement. Pour finir, croyez que le Seigneur a donné cette vision à Jean et ses révélations à la sœur White pour que nous soyons prêts face à toutes les épreuves dans ces temps troublés et que lorsque viendra cette loi du dimanche, nous soyons réconfortés dans cette dernière épreuve de feu, car ce sera le signal que le Seigneur est tout prêt à la porte. Car la Bible nous dit qu'à ce moment-là, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Cela signifie que ce sera la fin du temps de grâce, et les sept fléaux seront déversés sur la terre et les habitants de la terre. Et loué soit notre Dieu. C'est le retour fracassant de notre Seigneur Jésus qui provoquera le septième fléau et nous serons enlevés avec lui pour toujours. Amen. Apocalypse 19. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui
de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.